Quoi de mieux pour commencer cette série de vidéos que d'évoquer l'un des principaux dilemmes de l'ère post-effondrement, être rural ou être urbain? Avant de rentrer dans les détails de cette problématique, un petit rappel des conséquences qu'aura eu l'effondrement dans le scénario de référence dans lequel nous nous projetons. La température mondiale a dépassé les 3 degrés qui étaient redoutés, causant la destruction d'une partie des écosystèmes, une diminution drastique des high-tech a eu lieu dans un grand nombre de domaines, une réduction conséquente des productions et de consommation énergétique qui sont maintenant à des niveaux presque 10 fois inférieurs à celles du début du 21e siècle, une forte limitation du transport à longue distance, des chaînes de production mondialisées et évidemment un effondrement de la production agricole ainsi que du pouvoir de contrôle très fort des États sur leurs citoyens lié à l'arrêt de l'utilisation des énergies fossiles. Bref, un enchaînement de bouleversements qui change forcément l'état de fait entre ruralité et mode de vie urbain qui avait lieu au début du 21e siècle. Pour rappel de la situation en France, 80% de la population vit dans une zone urbaine en 2019. Comment cette répartition territoriale pourrait évoluer après l'effondrement? Nos villes modernes sont totalement dépendantes du réseau d'acheminement de nourriture. À titre d'exemple pour Paris, 85% de ses légumes sont produits hors de l'Île-de-France et parcourent en moyenne 790 km avant de se retrouver dans les rayons. Sans pétrole dont est dépendant la quasi-totalité du réseau d'acheminement, les grandes métropoles ne seront pas adaptées à la civilisation post-effondrement, en tout cas pas avec de tels niveaux de densité de population. On évoque souvent le cas de Cuba qui, lors de la période dite spéciale, est parvenu dans ses villes, notamment à La Havane, à produire plus de 50% de sa production de fruits et légumes dans son espace urbain. Un taux très similaire à ce que fait actuellement Bogota, qui a une très forte culture de la ferme urbaine. Les 50% restants dépendant des zones périphériques. Cependant, il faut remarquer que les taux de densité de population de La Havane ou de Bogota sont très inférieurs aux densités de population des grandes métropoles européennes. De tels taux de densité de population empêchent de parvenir à une autosuffisance, même partielle. En fait, pour être plus concret, si on prend l'exemple d'un immeuble à Lyon qui dispose de 5 étages, dont 4 appartements par étage, soit 20 appartements au total, chacun hébergeant en moyenne 3 personnes. Pour nourrir ces 60 personnes, avec un régime alimentaire qui serait peu carné, il faudrait disposer d'au moins 700 m² par personne, soit 42 000 m². Même partiel, la production agricole dans les métropoles semble totalement bridée par la densité de population et manque indéniablement d'espace comme on peut le voir sur ces images en comparant la taille d'une habitation et l'espace nécessaire à la production alimentaire de cette dernière. Même en visant l'objectif de 50% de la production en ville, les métropoles sont vouées à subir un dépeuplement qui permettra à la population vivant en son sein d'être capable de produire au moins une part conséquente de son alimentation. Le reste sera acheminé via des circuits courts, par les voies fluviales, le ferroviaire, et sûrement une part du résidu de transport routier, et par la traction animale qui devrait refaire son apparition. Ces villes avec une trop grande densité urbaine, amenées à se dépeupler, elles ne représentent aujourd'hui que 600 communes sur 33 000. Cependant, c'est plus d'un tiers de la population française qui vit dans ces grands centres urbains. Les villes vont devoir également revoir une part conséquente de leur organisation. L'électricité étant rationnée, elle sera orientée vers des besoins importants. Le réseau d'eau courante et de pompage pourrait en faire partie. On peut alors tout à fait imaginer que l'eau reste accessible, même si elle serait rationnée. Les hôpitaux et les centres de recherche seront également concentrés pour bénéficier du plus d'économies énergétiques possible. D'ailleurs, en matière d'économie énergétique, les foyers en ville ne bénéficiant pas d'une autonomie énergétique verront cette électricité rationnée et encadrée. L'éclairage urbain sera quasiment absent, mais le silence et les étoiles devraient refaire leur apparition dans nos grandes zones urbaines. Le système de traitement des déchets, notamment de nos toilettes, serait également totalement revu. L'ensemble des déchets pourrait alors tomber dans des cuves situées en bas des immeubles. Ces cuves seraient récupérées périodiquement pour alimenter la production de compost de la ville et seraient également renvoyées vers la périphérie pour créer un engrais naturel qui ne dépendrait pas du pétrole. Bref, le mode de vie en ville risque d'être très fortement changé. Mais l'abandon total du mode de vie urbain ne semble pas se profiler pour plusieurs raisons. Ces espaces restent des lieux permettant de structurer des politiques qui gagneront à s'organiser avec des économies d'échelle. Les centres universitaires, les centres de recherche, les hôpitaux, etc. De plus, les villes regorgent de bâtiments et de matériaux qui pourront être réutilisés, réhabilités pour d'autres fonctions qu'ils occupent actuellement.
la construction devenant plus complexe en la force mécanique fonctionnant très largement au pétrole, ce surplus de bâtiments est non négligeable. Mais il ne faut pas oublier que les villes restent également un lieu de pouvoir et qu'elles risquent de le rester même après l'effondrement. Mais les métropoles vont devoir inéluctablement décroître, provoquant un phénomène d'exode urbain. À première vue, les petites villes et villages sont mieux adaptés à la résilience post-effondrement. Leur densité de population faible et la taille des terrains exploitables pour la permaculture aux alentours peuvent permettre d'atteindre des niveaux de sécurité alimentaire suffisants. De nombreuses fermes déjà existantes devront d'ailleurs recourir à bien plus de main-d'œuvre sans possibilité de recourir autant à la force mécanique du début du XXIe siècle. De plus, les accès aux points d'eau ou le recours à des dispositifs comme les toilettes sèches sont bien plus faciles à mettre en place qu'en ville puisqu'ils ne nécessitent pas forcément une organisation à grande échelle. L'accès aux services d'éducation, de médical, d'artisanat devrait également être amélioré par l'exode urbain qui va rapatrier un grand nombre de professions attirées par la possible abondance que pourrait offrir le mode de vie rural. De plus, la ruralité est plus à même de pratiquer l'élevage ou de le coupler à ses cultures, sans compter que le recours à la chasse ou à la pêche sont bien plus faciles d'accès qu'en ville. Le mode de vie rural permettrait donc d'avoir un régime alimentaire un peu plus carné que le mode de vie urbain qui lui en sera fortement réduit. Cependant, l'exode de la ville risque également de provoquer ce qu'on appelle un étalement urbain sur le territoire, c'est-à-dire une croissance des petites villes et villages qui seront moins aptes à gérer leur production avec cet afflux de population supplémentaire. L'autosuffisance locale devenant un critère très important, le pouvoir local sera considérablement renforcé, car c'est à cet échelon qu'on est le plus à même d'aménager le territoire pour sa population. Plusieurs modes de vie qui se préparent à l'effondrement pourraient également voir leurs pratiques perdurer dans le temps. C'est le cas par exemple du survivalisme à l'échelle d'une famille, des fermes collectives accueillant des personnes d'horizons divers pour cohabiter, ou encore des écolieux, les éco-hameaux, les éco-quartiers autonomes. Cependant, de ces trois modes de vie qui ont d'énormes avantages, les écolieux sont ceux qui semblent être le plus aptes à se perpétuer sur le long terme. En fait, si les fermes collectives et l'autonomie strictement familiale sont d'excellents moyens de survivre ou de passer l'effondrement, ils ont tous deux des faiblesses sur le long terme qui pourraient les amener à s'orienter au fil des années vers l'écolieu. L'autonomie purement familiale, d'abord, quand elle est isolée et qu'elle ne rentre pas dans une logique collective avec les autres habitants, elle risque de se priver de ressources qui sont plus facilement accessibles avec un effort de mutualisation. Cependant, ce mode de vie permet une autonomie personnelle qui est très avancée et c'est également un excellent moyen de défense contre les aléas extérieurs. A l'inverse, les lieux de vie totalement collectivisés ont souvent du mal à se maintenir sur le long terme. L'être humain ayant besoin d'intimité, d'espace personnel, le tout collectif peut être une source de conflits fréquents et donc d'éclatement, mais il a l'avantage d'offrir des meilleurs rendements. Le compromis à ces deux modes de vie semble se porter sur l'écolieu. Chaque habitant gérant une bonne partie de son autonomie alimentaire, sa production énergétique, son compost, mais avec néanmoins une partie de collectivisation. Ça peut être l'outillage, le traitement phytosanitaire des eaux grises, l'aide aux travaux, la gestion du bétail, etc. C'est exactement ce qu'on observait dans les villages médiévaux où les habitants qui géraient leurs parcelles respectives construisaient un bien commun, un four à pain ou un moulin. Plus hypothétique, et plus particulier encore, un autre mode d'organisation urbanistique pourrait voir le jour autour des sources énergétiques. Aujourd'hui, les constructions sont peu nombreuses dans la périphérie des centrales, quelles qu'elles soient. Mais on pourrait imaginer toute une organisation qui entourerait ces centres énergétiques pour profiter au mieux de leur rendement. En fait, il faut savoir qu'au moins 10% de la production énergétique est perdue dans le transport de l'énergie. En cas de disette énergétique, cette perte est non négligeable. Les villes et villages de demain pourraient alors se bâtir autour de ces foyers technologiques, concentrant l'énergie disponible. Ces différentes hypothèses offrent la vision d'un monde très différent de celui que nous connaissons, par sa structure urbanistique et démographique. Mais au-delà de cette grande échelle, si on se focalise sur une échelle plus petite, sur les habitants eux-mêmes, ils devront également connaître des aménagements conséquents. Mais ça, c'est un autre sujet pour une prochaine vidéo. Je vous remercie de votre attention, n'hésitez pas à commenter et à nous dire comment vous voyez l'avenir urbanistique et démographique post-effondrement et vers quel mode de vie vous vous orienteriez. Au plaisir de vous lire et à très bientôt.